Excellences, Monsieur le Président de la République, j'ai l'honneur de vous remettre les lettres par lesquelles Son Majesté Charles XVI Gustave, roi de Suède, m'a crédit comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Suède près de Bénin, ainsi que les lettres de rappel de mon prédécesseur. Merci, félicitations. Merci bien. Félicitations. Merci. Et bienvenue. Je vous remercie. Je suis ravie d'être accrédité comme ambassadeur de mon pays, la Suède, ici au Bénin. Et nos deux pays, nous avons beaucoup en commun. Nous sommes des démocraties et nous sommes intéressés dans la bonne gouvernance. Et nous participons dans la coopération internationale pour établir stabilité et paix mondialement et régionalement. Alors, il y a beaucoup de choses en commun. Et ce que nous avons discuté avec Son Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est comment est-ce qu'on peut donner plus d'énergie à nos relations bilatérales. On a identifié quelque chose pour commencer. On a discuté la possibilité de pouvoir travailler plus avec les exportations de fruits à mon pays. Alors, c'est une chose que je vais me chercher de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et on a aussi discuté la bonne gouvernance, surtout quant au système fiscal. Et nous avons dans un mois en Suède une conférence internationale sur comment améliorer nos systèmes d'impôts. Parce que si on va vraiment pouvoir développer nos pays, on a besoin de mobiliser les ressources. Et les meilleures ressources sont les ressources produites par les peuples eux-mêmes. Et Monsieur le Président, il a remarqué, je crois que c'est très sage, que le pétrole et les minéraux ne donnent toujours les ressources qui est bénéficieux à un pays, parce que ça entraîne beaucoup de problèmes. C'est mieux vraiment de pouvoir produire et aussi distribuer ce qu'on a produit par un système d'impôts qui est juste, qui est efficace et qui peut être utilisé par un gouvernement d'une manière pour bénéficier à toute la population. Alors là, je crois qu'on a encore une chose en commun entre nos deux pays. Alors, on va essayer de travailler très concrètement. Et moi, personnellement, malheureusement, je suis basée à Stockholm, mais comme je suis représentée ici par notre consul honoraire, M. Valérie Alpeny, alors je compte sur avoir une bonne présence, malgré que moi, je ne veux pas être ici tout le temps. Thank you.